avis sur un match que tu as vu en spectatrice ce soir? Mon avis, il est très positif. On a ramené 3 points, c'était ce qu'il fallait faire. Elles ont fait un super match. Tant que Quimper fait un bon match, moi j'ai été très surprise. Il y a eu 2-3 petites fautes, mais pour moi il y a eu que des bonnes choses. Je retiens que ça et je leur félicite. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une capitaine heureuse? Il y a un mélange, un grand soulagement qu'on a prouvé à nous-mêmes qu'on est une bonne équipe et que si on joue bien ensemble, tous dans la même direction, qu'on arrive même contre des bonnes équipes. Donc c'est soulagement et je suis fier de notre équipe et de ce qu'on a fait ce soir collectif. C'était un plaisir de jouer là. Et devant la salle, devant chez nous, notre public, c'était magique. C'est bien. Mais il faut qu'on continue maintenant. Ça s'arrête pas là, c'est bon. Alors, tout d'abord, je veux féliciter naturellement l'équipe de Quimper. Ils ont fait un superbe match. Ils ont fait très peu de fautes. Jouer contre une équipe qui ne fait pas beaucoup de fautes, c'est très difficile de les déstabiliser, ça c'est sûr. Nous, on a fait un peu plus de fautes. Et je pense aussi que la différence, c'était un peu la niaque qu'eux, ils avaient un peu plus. Pour eux, c'était un match, c'était la vie ou la mort. Tout le monde sait, c'était leur deuxième match à domicile. Ils avaient besoin des points et peut-être qu'ils en voulaient un peu plus que nous. Donc je les félicite. Écoutez, je suis né en voisin, vous savez. Et quand je dis en voisin, généralement ça se passe très bien. Donc belle victoire ce soir, attendue, parce que ça nous manquait. On s'inquiète toujours quand un club ne gagne pas, mais il y a des périodes euphoriques, des périodes parfois un peu plus complexes. Mais le Jap a perdu aussi ce soir, enfin, a aussi perdu ce soir. Vous avez gagné. Donc en tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Ça comble pratiquement. Il y a eu la télévision, il y avait le match à Béziers, il y avait aussi le match de volley, donc c'est une belle opération. Tout ça, ça stimule les énergies. En tout cas, je tiens à vous remercier les filles pour cette brillante victoire ce soir. Nette et sans bavure, Je remercie bien sûr les dirigeants qui s'impliquent et toi, monsieur le président, merci beaucoup. Merci, on peut applaudir. Non, ben, merci évidemment à vous, félicitations, parce qu'on a pris énormément de plaisir ce soir. Le maire l'a dit, hein, il y a des périodes et des séquences. Cette victoire, elle était attendue, je crois qu'elle était dans votre calendrier aussi marquée, elle était extrêmement importante. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas eu photo et le public a pris énormément de plaisir. C'est important de rappeler qu'ici, dans ce championnat-là, c'est quand même le meilleur public de France. Voilà, donc c'est extrêmement important pour la ville, pour le département. Et juste un mot pour conclure, je ne vais pas faire long. Ce qui est aussi important pour le département, pour tout le monde, mais c'est la notion de cohésion sociale et de travailler avec tous les publics. Et moi, quand je viens ici, et quand je vois qu'à l'accueil, il y a le forceté avec Téléthon, quand je vois que c'est Arthur, grand joueur de fauteuil, qui donne le coup d'envoi, voilà, vous êtes pile dans l'état d'esprit qui est aussi le nôtre. Et donc, vraiment, encore, longue vie au Quimper Volley, très belle saison. Bravo à tous les bénévoles, bravo au président, bravo aux joueurs. C'est très important ce que vous faites ici tous les 15 jours, toute l'année. Voilà, donc merci encore, c'est un beau spectacle. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonsoir à tous, merci d'être présents, si nombreux. Surtout aussi nombreux dans le gymnase. On avait besoin du soutien, on sort d'une période difficile. Ce soir, on a enfin validé tout le travail qui a été mis en place depuis le 28 août dernier. Avoir les sourires sur le visage des spectateurs d'abord, et tout le bruit qu'il y avait, je pense que les gens sont contents, ils ont vu un très beau match. Mais pour faire un beau match, il faut deux bonnes équipes, et Paris a joué encore un match de haut niveau, ce qui donne encore plus de reflets à notre victoire, parce que Paris était sur à 3 victoires, même si elle sort d'une défaite contre Béziers, elle est quand même... C'est quand même une équipe qui vise les playoffs, alors que nous, je rappelle que l'objectif c'est avant tout le maintien. Et plus si affinité, mais quand on a 0 victoire après 5 journées, on revoit les objectifs déjà gagner un match. Et c'est chose faite, je vous rappelle il y a 3 semaines ou un mois quand on a joué le match contre Nantes, à cette même place, j'avais dit la prochaine fois, je vous promets, on reviendra et on sera un peu plus souriant et on vous offrira la victoire. Ben voilà, les filles, elles ont tenu parole, elles vous offrent la victoire ce soir, donc pour elles, je souhaiterais un tonnerre d'applaudissements. Il reste beaucoup de matchs. Un premier déplacement à Nancy la semaine prochaine qui est important, et un déplacement qu'il faudra bien négocier. Il ne faut pas que ce soit simplement un feu de paille et juste un match comme ça. C'est lancer une dynamique. Et je pense que l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur du concret quand on monte les mauvais côtés après les défaites, les choses qui étaient un peu moins bonnes. Ben, lundi, la séance de vidéo sera un petit peu plus souriante et un petit peu plus agréable. Donc voilà, en espérant que ce soit la première d'une longue série. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de profiter. Je vous attends encore nombreux pour le match dans 15 jours, il me semble, contre Béziers. Merci.